Coucou, allez, on regarde ton message du jour. On te parle d'une personne. T'adaptes toujours en fonction de ta situation. On te parle d'une femme, mais ça peut très bien être un homme, hein. Qu'est-ce que cette personne a à nous dire? On te dit que cette personne est un vrai coup de foudre pour toi. C'est quelqu'un qui a très envie d'avancer dans la même direction que toi. Mais pourquoi on te parle de pardon avec cette personne? On va regarder par rapport à des choix. Cette personne a fait des choix qui n'étaient pas ceux qu'il ou elle souhaitait dès le début. Ok, je vais te demander pardon parce que je n'ai pas pris la bonne direction. J'ai changé, j'ai modifié des choses. Même si je sais qu'entre nous, tout était lumineux, tout fonctionnait. C'est quelque chose qu'on a voulu ensemble, mais je n'ai pas choisi la bonne personne. Je me suis orientée vers une autre personne que toi. Et je suis totalement désolée et je sais que j'ai fait la plus belle bêtise de ma vie. J'ai besoin de retrouver une paix intérieure, j'ai besoin de me faire pardonner. Et je suis tentée. Je suis tentée parce que j'ai envie de revenir vers toi. Je sais, j'ai fait une bêtise, je dois m'excuser. Je vais faire en sorte que tu puisses me pardonner à un moment ou à un autre parce que la relation que l'on vit, toi et moi, elle est plus importante que je l'espérais. J'arrive pas à te sortir de ma tête. J'ai fait des erreurs, j'ai clairement fait des erreurs. Et j'en suis plus que conscient, mais je veux vraiment un retour, je veux vraiment revenir dans ta vie. Voilà ce qu'on te dit ce matin. Parce qu'il y a un retour à la communication.